Il y a des milliards de masques qui ont été commandés, donc on va recevoir beaucoup de masques, on va en consommer beaucoup, et finalement on va en jeter beaucoup. Si on les retrouve par terre, on va les retrouver en mer. Qui s'ajoute en fait aux mégots, aux canettes, aux sacs plastiques et tout ce qu'on a depuis des années en fait. Il y a des estimations qui ont été faites, on dit que ça peut mettre plusieurs siècles, 400 ans, 500 ans à se dégrader. Mais dégrader, ça ne veut pas dire totalement disparaître. Parce qu'en fait, ça va finir en microparticules et en nanoparticules. Ça va finir par rentrer dans la chaîne alimentaire. C'est des déchets qu'on va finir par manger, puisqu'on va manger du poisson qui aura ingéré en fait ces microparticules de plastique. Voilà. Mais c'est aussi une pollution sanitaire. Puisqu'il y a potentiellement du virus sur ces masques et ces gants, c'est quand même assez inquiétant par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement, quoi. 80% des déchets qui arrivent en mer, ils viennent de la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre est drainé par les eaux de pluie, passe en fait dans le réseau d'eau pluviale, c'est des tuyaux hein, de plus en plus gros, qui finissent à la mer. Et ce réseau-là, il n'est pas traité. Voilà, ça passe pas en station d'épuration et ça sort directement en mer. Mais ce qui est absurde, c'est de dire, bon, on met un masque pour protéger les autres, et ce même masque, on le prend et on le jette dans l'espace public. C'est absurde comme situation. Verbaliser, c'est une solution. Il y a déjà une loi qui existe de verbaliser tous les types de déchets, hein, pas que le Covid. Hein. À 68 € l'amende, je pense. Déjà, appliquer celle-là de loi, on va dire, mettre plus d'amende à 68 €. Après, sur le Covid, oui, c'est dangereux, mais un mégot, c'est aussi dangereux. Je veux dire, un mégot, on le met à la bouche, donc il y a du Covid aussi potentiellement. Et il faut prendre des mesures de la sensibilisation aussi, hein. Il faut sensibiliser les gens. Et pourquoi pas la répression, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a que ça qui marche aussi, hein. C'est malheureux, hein. Le pourcentage des déchets Covid, on va dire, est très faible pour le moment. Ce n'est pas la majorité, heureusement, mais ça commence. Il y a une semaine, je trouvais un gant par-ci, un gant par-là. J'arrive à faire trois gants maximum. Là, ça commence à augmenter. Petit à petit, ça augmente, ça augmente. Voilà. Là, j'attends qu'il y ait des orages, en fait. Justement, qu'il y ait un gros orage et de voir tout ce qu'il y a dans le réseau, ce qui va sortir en mer, en fait. Malheureusement, ça ne sera pas beau à voir, je crois. Ça sera pire. Ça sera pire, ouais.